Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Bâtir ensemble, la vie des enfants, qui est animée par Le Pain Quotidien. Alors nous tenons tout d'abord à nous excuser pour le retard de notre émission qui devait débuter à 20h. On va dire que les bouchons parisiens ne nous ont pas vraiment aidés à être à l'heure. Donc voilà, mais en tout cas nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette émission. Et aujourd'hui, bien, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Priscilla. Bonsoir. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. Donc Priscilla, je vous présente qui elle est. C'est une personne qui travaille au Pain Quotidien depuis plusieurs années déjà. Et c'est l'une des responsables de notre pôle parrainage. Et donc ce soir, on a envie en fait de vous parler bien, de ce que fait le Pain Quotidien, en l'occurrence du parrainage d'enfants. Mais avant d'aller plus loin, on va bien sûr prier pour remettre ce temps dans les mains du Seigneur, parce que, comme vous le savez, le Pain Quotidien est une association caritative chrétienne et la personne sur laquelle nous comptons pour faire toutes les actions que nous menons s'appelle Jésus. Donc nous voulons tout simplement lui remettre ses instants et puis nous allons continuer. Donc Seigneur, nous venons devant ton trône ce soir et nous bénissons ton nom pour l'opportunité que nous avons de présenter ce que tu fais. Ce que ton esprit, Seigneur, fait dans les nations, Seigneur, ce que tu accomplis, Père mon Dieu, mon roi, dans les cœurs d'enfants, Seigneur, dans les vies d'enfants, Seigneur, de par le monde. Et nous voulons vraiment ensemble, Seigneur, Père mon Dieu, porter ton nom plus haut, Seigneur, Père, et bénir ton nom, Seigneur, pour cette œuvre que tu accomplis, Seigneur. En Afrique, en Asie, Seigneur, en Amérique et en Europe aussi, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous prions que ce temps te soit véritablement consacré, que tu puisses parler à nos cœurs et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions bâtir, Seigneur, la vie des enfants que tu nous confies. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Donc voilà. Eh bien, donc comme nous le disions, nous allons aujourd'hui parler du parrainage, qui est le cœur de métier, on va dire, du Pain Quotidien. Et pour cela, eh bien, on va revenir rapidement sur des projets qui ont pu être accomplis durant ce début d'année. Et puis, on va aussi vous parler, par le biais, en l'occurrence, de Priscilla, de projets qui ont débuté récemment, de nouveaux partenariats avec de nouvelles structures. On va vous montrer des images des enfants, de ce que Dieu fait. Et c'est vraiment beau. Et donc voilà. Et avant, encore une fois, de poursuivre encore plus loin dans nos explications hein, du travail que le Seigneur accomplit, de vous exposer les choses, on aimerait venir dans la parole de Dieu pour prendre un passage sur le fait de bâtir et de bâtir ensemble. Il y a un homme dans la Bible qui nous inspire cette notion de bâtir, c'est Néhémie. Néhémie, c'était un homme en fait qui vivait sous la domination de babylonienne si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que je dis ? Si, c'est ça ? Non, pardon, Médo-Perse, excusez-moi. Voilà. Sous la domination Médo-Perse, pardon. Et donc, en fait, son peuple, une partie du peuple avait été déportée, donc, à l'époque par Babylone. Puis, les Médo-Perses donc, ont conquis l'Empire de Babylone, pardon, d'où mon mélange. Les Médo-Perses ont conquis l'Empire de Babylone. Et en fait, une partie donc, du peuple était sous la domination des Médo-Perses à l'époque de Néhémie. Et une autre partie était restée donc, à Jérusalem. Et Néhémie, en fait, va entendre parler de ce qui se passe à Jérusalem. Et à ce moment-là, son cœur va être touché et il va vouloir en fait faire quelque chose pour sa nation quand il a vu l'état de pauvreté de son peuple. Et à partir de ce moment-là, donc, il va décider de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et la vision qu'il avait reçue donc, était vraiment dans son cœur, et c'est Dieu qui l'avait mise, bien sûr. Et parce que c'est Dieu qui avait mis cette vision dans son cœur, bien, le Seigneur a disposé en fait, les choses à tel point que le roi de l'époque lui a facilité en fait, les choses pour pouvoir aller jusqu'à Jérusalem et pouvoir mettre en œuvre de rebâtir les murailles de Jérusalem. Mais Néhémie était le visionnaire, certes, de cette œuvre, mais il était seul.
Et quand il est arrivé à Jérusalem, il ne pouvait pas rebâtir les murailles seul. D'autant plus qu'on le voit dans le livre de Néhémie, il va rencontrer de l'opposition par rapport au fait de rebâtir ces murailles. Et en fait, donc, j'aimerais qu'on prenne le livre de Néhémie à partir du chapitre 2, où on va voir comment en fait, Néhémie va convaincre le peuple qui était à Jérusalem de se joindre à lui pour bâtir ensemble, pour qu'ensemble ils puissent rebâtir les murailles de Jérusalem. Donc Néhémie 2, chapitre 2, à partir du verset 17. « Alors je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes. Comment Jérusalem demeure désolée et ses portes brûlées par le feu. Venez et rebâtissons les murailles de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur déclarai comment la main de Dieu, comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi et quelles paroles le roi m'avait dites. Alors ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. » Et donc ici, on voit en fait comment Néhémie va, alors que voilà, il est arrivé à Jérusalem, le peuple vivait dans l'opprobre, dans la pauvreté, donc et était vraiment démuni, désarmé. Et alors que eux vivaient dans cette situation-là, ben aucun en fait n'avait forcément à ce moment-là reçu la force ou la vision de se lever et de fédérer pour pouvoir bâtir, en fait, rebâtir les murailles et permettre à Jérusalem de redevenir une ville fortifiée. Et en fait, le fait de rebâtir les murailles de Jérusalem, c'était le début de cette fortification de la ville pour pouvoir rebâtir ensuite le reste. Et donc, Néhémie, lui, a reçu cette vision du Seigneur. Il a vraiment été touché dans son cœur et il a décidé de faire quelque chose. Et sachant qu'il ne pouvait pas le faire seul, il a réussi à éveiller l'esprit et l'âme des personnes qui vivaient dans cette pauvreté et de leur permettre en fait de retrouver de la force, de la vigueur et de l'espoir pour rebâtir leur ville. Et quand on voit ça, en fait, on se rend compte que l'œuvre de Dieu n'est pas quelque chose qui se bâtit seul. Ça ne se bâtit pas seul. Dieu lui-même ne fait pas son œuvre tout seul, dans le sens où, bien sûr, il est Dieu, il est tout-puissant, il pourrait le faire. Mais il passe par des hommes et il cherche à ce que les hommes s'unissent, adhèrent en fait à sa vision et ensemble mettent en lien leurs forces pour pouvoir faire de belles choses et pour pouvoir permettre là, en l'occurrence, à une ville, mais au travers d'une ville qui était rebâtie, c'était aussi leur vie qui allait être restaurée et rebâtie. Donc voilà. Et en fait, pourquoi est-ce que le pain quotidien aujourd'hui a ce slogan quelque part de bâtir ensemble la vie des enfants ? Bien, c'est dans cette idée-là. C'est dans l'idée de Néhémie qui vient, qui fédère et qui fait comprendre en fait au peuple de Dieu que c'est ensemble qu'on peut bâtir des choses, c'est ensemble qu'il faut bâtir les choses et ça a encore plus de valeur quand c'est comme ça et chacun met sa pierre à l'édifice et là on va quelque part ensemble et il faut en fait que le peuple de Dieu dans son ensemble comprenne ces choses-là. Et par rapport à l'œuvre du social, c'est la même chose et j'ai envie de dire ce que Néhémie faisait ici fait totalement partie d'une œuvre sociale que de vouloir faire sortir de la pauvreté et de l'opprobre son peuple. Tu voulais intervenir, pardon. Non, je bénis Dieu en fait vraiment pour cette pensée, pour ce verset, parce que c'est vraiment la vision que nous avons au sein du pain quotidien. Parce que premièrement, c'est ce que le Seigneur nous a recommandé, c'est ce que les apôtres nous ont recommandé de faire, de se souvenir des pauvres. Et c'est ça en fait, bâtir la vie des enfants, c'est ce que nous voulons vraiment faire en fait au sein du pain quotidien. Je bénis Dieu pour cette pensée, vraiment. Donc voilà, là c'est ce passage en fait, ça c'est pour vous résumer en fait l'idée que le pain quotidien a quand il dit qu'il veut bâtir la vie des enfants et que nous mettons donc ça se traduit chez nous dans notre association par le parrainage d'enfants qui nous permet, alors je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Le parrainage d'enfants, c'est le fait de mettre en lien des personnes désireuses de soutenir des enfants et d'autres qui dans le monde bien sont démunis et ont besoin d'aide, donc de mettre en lien des personnes qui veulent soutenir des enfants et des enfants qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'être soutenus donc et ce parrainage donc
passe bien sûr par une aide financière, mais aussi par une relation qui est créée avec l'enfant et qui permet, en fait, il faut savoir qu'au Pain Quotidien, on a fait le choix de soutenir des enfants en priorité, hein, orphelins, mais pas seulement, des enfants aussi qui peuvent être atteints de certaines maladies et dont les parents n'ont pas les moyens de pouvoir payer leurs frais médicaux pour qu'ils guérissent ou pour leur permettre d'avoir un traitement quand c'est des maladies qui sont sur un long terme. Des enfants aussi qui peuvent être non pas orphelins, mais démunis, qui vivent vraiment dans un grand dénuement et qui ont besoin de soutien pour pouvoir avoir une chance en fait de sortir de cette pauvreté là et donc voilà, et donc c'est le choix que le Pain Quotidien a fait et au travers donc de ce dont on va vous parler maintenant, bien vous allez pouvoir vous rendre compte que le parrainage permet en fait de répondre à cela, de répondre non seulement de façon financière pour la scolarité, le fait de nourrir l'enfant, de lui permettre d'aller à l'école, d'être vêtu, d'être soigné, voilà. Et d'autre part, ce lien aussi affectif avec quelqu'un qui, dans le monde, pense à elle, prie pour elle. Au-delà de lui envoyer de l'argent, elle le porte, en fait. Et comme, quelque part, le parrainage, ce n'est pas une forme d'adoption, mais c'est l'idée de porter véritablement une vie dans son cœur, comme si cet enfant, c'était notre enfant, et qu'on voulait, ben, autant qu'on veut voir réussir nos enfants, ben, on veut voir réussir ces enfants-là aussi, on veut prier pour eux et les encourager, et au travers des lettres qu'on va leur écrire et les liens qu'on va entretenir avec eux, bien, on va tout faire pour les encourager à aller dans un bon sens, en fait, pour leur permettre de construire un avenir solide et de devenir des hommes et des femmes responsables et bien sûr, tournés vers le Seigneur, parce que ça fait partie totale, c'est une partie totale et extrêmement importante au Pain Quotidien. C'est, bien sûr, on veut nourrir, bien sûr, on veut vêtir, bien sûr, on veut soigner des enfants. Mais on croit que celui qui connaît le mieux leurs besoins, au-delà de nous, tout ce qu'on peut faire, c'est le Seigneur. Il n'y a que Jésus qui est capable de combler le cœur d'un enfant orphelin. Amen. Clairement, je le crois vraiment. Et quand la Bible dit qu'il est le père des orphelins, c'est pas juste une écriture, c'est une réalité, c'est une vérité. Et ce que l'on désire par-dessus tout, c'est que ces enfants-là le comprennent, qu'ils le saisissent, en fait, qu'ils passent de l'état de simplement l'avoir lu ou le savoir au fait de le réaliser pour eux-mêmes, pour que ça donne un autre sens à leur vie et qu'ils ne se minimisent pas et qu'ils se donnent toutes les chances de pouvoir réussir. Donc voilà. Bien, je pense qu'on a suffisamment expliqué ce qu'est le parrainage. Et maintenant, on va vous expliquer par des actions concrètes qu'on a menées, comment ça s'est traduit qu'est-ce que nous mettons en place, en fait, quels sont les projets qu'on peut réaliser qui nous permettent de soutenir ces enfants-là donc, dans ce sens-là. Donc, on va revenir sur deux structures que nous avons pu soutenir cette année. Alors, au jour d'aujourd'hui, le Pain Quotidien travaille avec 12 structures. C'est bien ça ? 13, pardon, je suis en retard. Donc, 13 structures. Et donc, on va juste revenir sur deux structures deux événements, en fait, qui se sont produits, deux projets qu'on a pu faire en début d'année, en l'occurrence au Ghana, par exemple. Au début de l'année, nous avons eu la joie de voir le déménagement des enfants que nous parrainons au Ghana. Alors, la structure du Ghana est particulière en ce qu'elle accueille, en fait, des enfants qui sont orphelins et des enfants qui sont atteints du sida. Donc, pardon. Donc, ces enfants, en fait, sont nés avec le virus du VIH. Et en fait, le couple qui les accueille, en fait, beaucoup de ces enfants, d'ailleurs, la plupart, c'est comme ça que ça s'est passé, les personnes savaient que ce couple accueillait des enfants donc, atteints du VIH et donc venaient et simplement posaient les enfants là. Et qui sont eux-mêmes atteints du VIH. Hein, oui, effectivement, le couple lui-même est atteint du VIH, c'est un couple chrétien. Donc qui est atteint du VIH et qui accueille ses enfants. Et en l'occurrence, ces enfants sont simplement souvent déposés devant la porte et n'ont même pas d'état civil. Donc souvent, enfin la plupart des enfants qui sont dans cet orphelinat, eh bien portent le nom du couple en fait, ouais, qui les a accueillis, parce que sinon ils ne pourraient pas avoir de papier, ils ne pourraient pas aller à l'école parce qu'ils ne seraient pas déclarés à l'état civil. Donc voilà. Et en réalité, ben c'est ce couple donc
adoptent finalement, clairement, ces enfants. Et ce sont les leurs. Ce sont vraiment leurs enfants. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ils sont au nombre de 27. Alors, oui, peut-être même un peu plus, parce qu'on a reçu d'autres photos avec d'autres enfants dont on n'a pas forcément l'information. Donc, on estime à 27, mais peut-être qu'il y en a plus. Ouais. Actuellement, il y en a 27 qui sont parrainés. Okay. Mais il y en a plus également qu'on a vu en photo. Maintenant, on ne sait pas si c'est lors d'un événement ou pas. Mais normalement, effectivement, il y en a 27. Ouais. Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, la totalité des enfants de cette structure sont parrainés. Donc voilà. Oui, tout à fait. Et donc cette bonne nouvelle, pourquoi une bonne nouvelle, un déménagement ? Eh bien, tout simplement parce que quand on a rencontré le couple Azuma, ils vivaient donc avec tous ses enfants dans une chambre salon. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça donne, mais c'est très, très exigu pour le nombre qu'ils sont. Et il se fait que les enfants grandissent et en soi, déjà, c'est petit hein, pour le nombre qu'ils sont. Et en plus, ils grandissent. Donc, il y a des filles, il y a des garçons. Et il y a un moment où il y a besoin d'une certaine intimité, tout simplement parce qu'ils grandissent. Et donc, ils nous ont fait part, en fait, de leur désir de trouver un logement plus grand. Le problème au Ghana, c'est qu'en fait, pour pouvoir investir un lieu, de louer un lieu, en fait, une maison, il faut payer 2 ans de loyer. Et donc, ça représentait l'équivalent de 5000 euros. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au Pain Quotidien, on a décidé de lancer une campagne, une campagne sur Litchi, en l'occurrence, et de récolter des dons. Et en fait, on avait 2 projets en un, dans l'idée. Dans l'idée, on avait pour projet de leur permettre déjà assez rapidement de pouvoir déménager parce que c'était plus possible de vivre dans des conditions telles que celles-là. Et deuxièmement, puisqu'il fallait payer à chaque fois 2 ans de loyer et que c'est quand même un certain montant, on avait dans l'idée de leur permettre, et c'était aussi leur désir, hein, c'était le désir du couple, de pouvoir avoir un terrain où, durant ces 2 ans, ils se donneraient la possibilité de pouvoir construire un bâtiment dans lequel ils viendraient ensuite habiter, en fait, plutôt que de payer encore 2 ans de loyer au bout donc de l'achèvement de cette location qu'ils ont actuellement. Et donc, on va vous montrer des images de la maison dans laquelle maintenant ils sont et qui n'a plus rien à voir avec un 2 pièces. Déjà, c'est vraiment une grande maison. Et vous allez pouvoir voir donc, la maison et puis vous allez pouvoir voir aussi la joie des enfants quand ils y sont entrés. Quoi. C'est magnifique. Voilà, ils sont aux anges parce que je pense qu'ils n'imaginaient pas en fait que Jésus puisse leur faire un cadeau aussi beau. Et donc, voilà. Oui, non, en fait, parce que par rapport à la campagne Litchi, c'est vrai qu'on a reçu les dons assez rapidement par rapport à ce projet-là. Ça a été communiqué et on a vite reçu des dons pour ce projet. Et on tenait vraiment à remercier tous les donateurs qui ont pu contribuer à la réalisation de ce projet. C'est juste énorme. Je pense que vous voyez les images en même temps que nous. C'est magnifique. Et vraiment, tous les enfants et les responsables vous remercient. Remercient le Pain Quotidien parce que c'est un espoir auquel vraiment le Seigneur a pourvu, en fait. Effectivement. Et donc, le Seigneur a pourvu et pour la maison, donc pour payer les 2 ans de loyer. Et petite anecdote, le propriétaire de la maison, en fait, vous voyez, il y a 2 niveaux. Et en réalité, la location, c'était pour 1 niveau. Et le propriétaire de la maison a été touché par l'histoire donc des enfants qui venaient habiter dans cette maison, du fait qu'ils étaient atteints du VIH et tout ça, et d'où ils venaient aussi, de l'endroit exigu dans lequel ils vivaient. Et il a été touché par le Seigneur et il a eu à cœur de leur donner les 2 niveaux pour le prix d'un. Donc quand Jésus fait un cadeau, il ne le ferait vraiment pas à moitié. Amen. Il a dépassé même nos attentes. Et donc vraiment que le Seigneur soit vraiment, vraiment, vraiment glorifié pour ça. Donc non seulement ils ont eu la maison, les 2 niveaux pour le prix d'un, et en plus par la campagne Litchi, on a pu récolter les fonds pour pouvoir leur permettre d'acheter un terrain, et donc le terrain est acheté et ils vont pouvoir commencer à construire et bien leur nouveau chez eux, quoi. Donc voilà. Donc ça c'était le Ghana. Donc ça, c'est, ils ont déménagé au mois de février cette année. Voilà, la campagne avait été lancée au courant décembre et au mois de février, donc ils ont pu déménager. Et donc, nous voulions vous parler du Ghana et puis nous voulions aussi vous parler de ce qui s'est fait, ce qui continue donc à se faire en Colombie. Je te laisse la parole. Oui, alors pour ce qui est de notre partenariat en Colombie à Bogota,
La structure s'appelle ACECOL, c'est un centre d'accueil. Nous avons commencé ce partenariat officiellement en septembre 2017 par le parrainage projet. Et nous parrainons actuellement 6 enfants dans cette structure-là, dont un en parrainage projet, car c'est une enfant qui est handicapée et du coup qui est soutenue également, qui est adulte du coup, elle a 22 ans, elle a un handicap et donc on la soutient également dans sa vie de tous les jours. Et à côté de ça, il y a un contexte géographique en Colombie du fait que la communauté indigène à Bogota ont été déplacés. C'était un déplacement forcé, en fait, de toutes ces communautés-là à cause du conflit armé, justement. Et du coup, bah, les indigènes se retrouvent dans les favelas de Colombie. Et sauf le souci majeur, c'est qu'ils ne parlent pas espagnol. Donc, ils se retrouvent là, au milieu de Colombiens, mais qui ne peuvent pas s'insérer dans la société. Donc, c'est, comme me disait la responsable de la structure là-bas, qui s'appelle Carolina, que c'est assez impressionnant de les voir, en fait, parce qu'ils sont pas chaussés. Ils habitent vraiment dans des... Là où ils ont placé, c'est assez aussi impressionnant. Mais contrairement au Ghana, même s'ils sont nombreux dans un F2, par exemple... Bah, ils se plaisent comme ça parce qu'ils vivent en communauté, donc ils ont toujours vécu comme ça, même étant dans la forêt, donc ça ne les gêne pas du tout. Par exemple, pour ce cas-là, on ne va pas forcément intervenir pour les reloger, etc. Ce n'est pas forcément le besoin primaire, on va dire. Voilà. Par contre, pour ce qui est de ces enfants, ils ne peuvent pas aller à l'école. Il y a des écoles qui ont refusé justement la scolarité de ces enfants-là parce que tout simplement, ils ne parlent pas espagnol, ils ne peuvent pas faire de suivi avec ces enfants-là. Également parce que, et ça, ils ne vont pas forcément le dire, les enfants indigènes sont assez... Je vais employer ce terme-là parce que c'est le terme qu'emploie Carolina pour m'expliquer avec ces mots. Ils sont assez sauvages, en fait. Donc, ils sont assez difficiles à gérer dans le cadre d'une classe. Et du coup, bah, l'idée nous est venue, avec le pain quotidien, d'ouvrir une classe de remise à niveau, sachant que la responsable de la structure ACECOL est enseignante. Donc voilà, petite anecdote, elle est enseignante et depuis août 2017, elle ne trouvait pas de travail. Donc elle priait également de son côté pour ça. Et puis de là, nous est venue l'idée, pourquoi pas, elle qui est enseignante, qui parle français, anglais et espagnol, bah, pourquoi pas ouvrir une classe de remise à niveau pour ces enfants-là qui ne peuvent pas avoir accès à la scolarité et également que les adultes, donc les parents de ces enfants-là, puissent bénéficier de ces cours pour qu'ils puissent également être réinsérés dans la société. Du coup, par la grâce de Dieu, on a pu ouvrir cette classe suite à pas mal de mails qui ont été envoyés au niveau de l'État, des écoles, pour avoir des salles de classe mises à disposition pour faire ces cours. Et par la grâce de Dieu, on a pu commencer ce projet en mars 2018. Sachant que la rentrée scolaire se fait au mois de janvier en Colombie. Les vacances d'été là-bas, c'est au mois de novembre. Du coup, donc là, les entrées scolaires avaient déjà été faites quand on commençait à parler du projet. Du coup, là, il y a 16 enfants qui sont réguliers, qui sont suivis. Il y en a plus qui viennent, mais il y a 16 enfants qui sont suivis de par ces cours-là. Et 7 adultes également qui bénéficient de ces cours. En plus, les cours extrascolaires dans ce projet-là, il y a des cours bibliques. Il y a également des bibles, enfin des bibles. Elle a imprimé, elle a réussi à trouver la Bible en Mbéra. Wow. Ouais. Et elle a imprimé en fait l'évangile de Jean, de Romain et quelques épîtres également qu'elle a pu remettre aux parents de ces enfants-là. Donc c'est vrai que c'est impressionnant parce que quand elle leur parle de Jésus, etc., ils ne comprennent pas. Parce que c'est un peuple en fait qui adore la nature, la lune. Pour eux, c'est ça leur Dieu. Donc ils ne comprennent pas forcément. Et là, elle a pu trouver la Bible en Mbéra sur Internet et leur imprimer, vraiment faire quelque chose de propre. Et petit à petit, voilà, ils sont assez réceptifs à tout ça. Donc voilà, il y a vraiment un beau projet qui se fait. Donc par rapport aux enfants, nous sommes en mai 2018. Donc, le projet a commencé en mars. Et il s'avère que ces enfants font énormément de progrès. Wow. Et même la directrice de l'école a été très, très, très impressionnée, merci, voire même jalouse. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prier pour ce projet. Elle a été très jalouse de Carolina par rapport à comment elle arrive à gérer ses enfants. En fait, on sent la présence de Dieu, on sent qu'il y a quelque chose. C'est ce que j'allais dire, elle a quelque chose que la directrice n'a pas forcément. Ouais, elle disait, mais... Et même Carolina, quand je lui parlais de ce projet-là, elle était un petit peu réticente et tout par rapport au projet, à la réalisation de ce projet-là. Elle me disait, mais
Au début, elle m'a confié bien après qu'elle voulait pas, parce qu'elle avait peur. Mais au final, le Seigneur lui a déposé cet amour et elle s'est rendue compte que plus elle les visitait et plus elle était très attachée à eux. Amen. Et donc, quand on a ouvert ce projet-là, et ben ça coulait en fait. Et effectivement, même si voilà, ils peuvent être agités, elle arrive vraiment à les gérer avec un calme. C'est impressionnant, quoi. Et effectivement, la directrice de l'école a été très impressionnée. Donc, on va vous montrer quelques vidéos des enfants. Alors, je tiens à préciser que les visages ont été floutés, parce que comme les enfants indigènes sont des enfants qui sont protégés par l'État, on ne peut pas diffuser en fait les visages de toute cette communauté. C'est pour ça qu'on vous en informe peu sur les réseaux sociaux. Enfin, du moins le peu qu'on a publié, c'est pas trop grave. Mais en tout cas pour la suite des événements, on va flouter les visages. Donc c'est pour ça que les vidéos que vous allez voir, on va pas forcément voir le visage de ces enfants-là. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit un enfant qui donc est en train d'apprendre l'espagnol. C'est ça. Je ne sais pas si on entend le son, mais ok, d'accord. Mais en fait, il répète justement ce qu'il a décrit. Je pensais qu'on allait l'entendre. Mais c'est vrai que bon, il répète vraiment très très bien. Et dans les autres vidéos, par contre, ce serait si c'est possible d'avoir le son. Où on entend même à un moment, il y a un enfant qui écorche un petit peu un mot. Et c'est vraiment mignon parce qu'elle essaye de lui faire dire le mot, mais c'est compliqué. Mais c'est vraiment mignon parce qu'il s'efforce quand même, il essaye de répéter. Et c'est beau ce que le Seigneur fait dans la vie de ses enfants. Donc voilà, là, l'enfant a bien appris sa leçon. Il a pu répéter. Voilà, c'est cette vidéo-là, il me semble. Alors. Alors, bon, désolé, petit problème technique. En fait, dans cette vidéo-là, il dit le nom des véhicules. Des véhicules, c'est ça. Donc, bus, camion, et en fait, quand, moto, taxi. Et après, à la bicyclette, au lieu de dire bicicleta, il dit biscaleta. Il répète biscaleta. Et c'est mignon, mais il s'efforce et tout à essayer de lui répéter. Enfin, voilà. Pour dire que même ils ont appris à compter, ils connaissent les lettres de l'alphabet, voilà, et tout ça en espagnol. Donc ils font vraiment de très grands progrès, pardon. Amen. Et donc le but de ce projet, c'est que bon, justement, que les adultes puissent trouver du travail. Ils ont bien compris ça. C'est pour ça qu'ils nous remercient grandement. Ils remercient Carolina. Ils nous expriment leur reconnaissance. Et parce qu'ils savent qu'à travers ce projet-là, ils vont pouvoir trouver du travail. Mmh. Et parce qu'à côté de ça, ils confectionnent des petits objets, etc. Donc, ils se débrouillent comme ils peuvent pour avoir un peu de fonds. Et pour ce qui est de ces enfants, le but de ce projet, justement, c'est qu'ils puissent rentrer à l'école en février, en janvier 2019. D'accord. Voilà, donc c'est le but de ce projet. On envoie exactement 600 euros par mois en Colombie. Mmh. On a envoyé, je crois, une première somme pour le lancement de ce projet, pour les fournitures scolaires, pour les manuels scolaires, pour plusieurs choses auxquelles elle avait besoin, des dictionnaires, des bibles, vraiment tout ce qu'il faut pour que les enfants puissent venir équiper. Elle a même acheté des cartables, même des jouets, etc. Et tout ça, il me semble, pour plus de 1 500 euros qu'on a envoyé du coup au mois de mars. Début mars pour la réalisation de ce projet. Et du coup, on envoie 600 euros par mois pour la réalisation de ce total du projet qui se passe en Colombie. Ok. Voilà. Parfait. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'en Colombie, au travers donc, du travail que Carolina fait d'évangélisation aussi, oui, il y a toute une famille colombienne indigène. Oui. Qui donc à la base ne croit, enfin, je crois qu'ils savaient même pas que Jésus existait, je pense. Qui était Jésus, ouais. Qui était Jésus, et au travers donc de visites qu'elle a pu faire dans des familles indigènes, bien toute une famille indigène s'est convertie au Seigneur. Exactement. Alors elle n'était pas toute seule. Il y a aussi un frère qui est colombien, qui lui a vraiment cette grâce, qui parle.
qui parle les deux langues, donc il parle Mbéra, parce qu'il parle Mbéra du coup, Mbéra et espagnol, et du coup avec lui ils vont évangéliser les communautés indigènes. Amen. Voilà. Et effectivement ils ont pu rencontrer toute une famille et mais toute la famille est convertie. Et ouais, c'est impressionnant comment j'ai, j'ai vu les photos et on a de la petite fille à la grand-mère, tout le monde qui a choisi Jésus, quoi. J'ai dit waouh, c'est magnifique. Il y a même un des jeunes, il veut absolument prendre des cours bibliques. Il a un beau zèle, c'est magnifique. Et il y a un frère justement qui est parti rendre visite à la structure là-bas, si je me trompe pas, c'était en septembre ou en octobre dernier, et justement qui nous a fait part de ce retour là, qu'il a vraiment été encouragé par le zèle en fait. Amen. C'est magnifique. Non, franchement, c'est effectivement, enfin voilà quoi. C'est moi quand je vois ça, ça me touche de me dire. Le Seigneur est tellement bon et puis il nous connaît, voilà, une famille qui était dans la forêt et tout et qui par un événement finalement malheureux pour eux parce qu'ils ont dû être arrachés de leur terre, de ce qu'ils connaissent et de leur environnement, ils se retrouvent dans des conditions vraiment de vie difficiles par rapport à ce qu'ils connaissaient et en fait Dieu permet tout ça pour leur permettre aussi d'entendre l'évangile et que toute leur famille se convertisse. Et c'est magnifique, quoi. Et ensuite, leur permettre d'accéder à une éducation et à la langue espagnole pour leur permettre de s'intégrer dans la nouvelle communauté qu'ils doivent, avec laquelle ils doivent vivre, quoi. C'est ça. Et sachant que c'est assez dangereux là où ils sont logés. Il y a beaucoup de drogués, de prostituées. Ils sont vraiment dans un cadre très difficile. Et pourtant, ce frère, il va, même si c'est pour y aller tout seul ou avec la sœur Carolina, etc., ils vont prêcher la parole, quoi. Mais c'est vraiment un quartier très dur. Très dur, ouais. En tout cas, que Dieu soit béni pour ces deux projets qui ont pu être mis en place. Et puis, bien sûr, on vous fera le compte-rendu des résultats par rapport à l'entrée scolaire des enfants au mois de janvier. Et on le croit, il n'y a aucune raison. Jésus va faire en sorte qu'ils y rentrent. Et puis, eux aussi vont se donner les moyens parce qu'il n'y a vraiment aucune raison qu'ils ne rentrent pas à l'école et qu'ils ne puissent pas continuer ensuite leurs études. Et je crois qu'il y a de belles réussites qui sont à venir. Et je suis trop contente de participer à ça. Amen, moi aussi. Donc voilà. Ça, c'est ces deux projets dont on voulait vous parler donc du début d'année et on voulait donc aussi vous parler de ce qu'on est en train de mettre en place qui a débuté tout récemment là avec d'autres structures. Donc alors, si je me trompe pas, il y en a deux aux Philippines. Et les nouvelles structures. Les nouvelles structures. Okay. On en a deux aux Philippines et une en Ouganda. C'est ça. Donc là, celle en Ouganda, c'est celle avec laquelle on a commencé au mois de mars. D'accord. 2018. Alors combien d'enfants sont dans la structure? Et d'ailleurs, cette structure, c'est quoi? C'est un orphelinat? C'est un orphelinat. C'est un orphelinat. Ils font beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, c'est un orphelinat. Il y a des activités là-dedans. Il y a aussi une école. Mais à la base, c'est un orphelinat. C'est la maison d'un couple qui est là-bas et qui accueille justement, qui a commencé à accueillir des enfants qui sont orphelins, qui sont tout simplement démunis. Mmh. Et du coup, ça regroupe 45 enfants qui vivent dans cet orphelinat-là, donc des enfants orphelins ou abandonnés. Et ils soutiennent également 10 autres enfants d'une famille dont la maman est veuve. D'accord. Et a du mal à s'en sortir. Donc ils sont soutenus également par cette œuvre-là. Donc en tout, on a 55 enfants qui sont soutenus via cette structure. Donc les enfants dans l'orphelinat et les enfants de cette famille en fait dont la maman est veuve et dont la famille est en difficulté due au décès du papa. Exactement. C'est vrai qu'on les on a commencé le partenariat donc récemment. Il y a eu un petit peu en Ouganda, c'est assez compliqué du coup pour envoyer les fonds, pour recevoir les fonds, les percevoir, etc. C'est pas évident, mais sinon voilà, le partenariat a commencé officiellement et il y a aussi d'autres projets, notamment par rapport au soutien de l'école dans cette structure là. Les enfants en fait ne sont pas ils ne peuvent pas passer l'examen de fin d'année tant qu'ils ne payent pas en fait une certaine somme. Donc pour regrouper pour la totalité de ces enfants, ça reviendrait à 1200 et quelques euros. Okay. J'ai plus le chiffre exact, mais c'est 1200 et quelques. Et donc voilà, on prie vraiment pour que le Seigneur puisse davantage toucher les cœurs de cette pour cette œuvre-là, pour qu'elle puisse être soutenue, parce que c'est vraiment un
un très beau projet. Le nom de cette structure, de cette structure, c'est, alors pardonnez-moi pour l'accent français, The Pillars of Africa Children's Ministries. J'ai bien dit ça. Pillar. Pillar, oui. Sorry. Okay, et en fait, okay. Pillar, ça veut dire pilier. Exactement, c'est donc, ça. Oui, ouais, c'est très beau. Exactement. En fait, c'est assez profond. C'est vraiment pour le Seigneur. Leur but premier, c'est de faire grandir le Seigneur dans le cœur de ces enfants-là. De pouvoir les soutenir. Et effectivement, ils sont dans le besoin. Mais ils aiment tellement le Seigneur. C'est vraiment, c'est magnifique. Ils ont une chorale aussi. Donc là, je crois qu'on voit quelques images où c'est des enfants qui dansent et qui chantent. Donc il y a un groupe de louanges. Enfin voilà, c'est vraiment le couple qui s'occupe de ces enfants-là sont investis à 100%. À la base, ils ne s'attendaient pas à accueillir autant d'enfants. Mais voilà, le Seigneur a fait que, et bah, par la grâce du Seigneur, on a pu prendre connaissance de cette structure-là. Par le biais d'une marraine, en fait, une marraine qui parraine deux enfants au sein du pain quotidien et du coup qui nous a parlé de cette structure-là qu'elle a connue par une amie qui la soutient aussi. Et enfin voilà, on s'est rapproché de cette structure, on a pris des renseignements, on a pris contact et on s'est rendu compte des réels besoins qu'il y a là-bas. Et voilà, avec l'aval du Seigneur, on a pu commencer ce partenariat-là en mars. Voilà, ça c'est les photos des enfants qui vont être parrainés. Pour l'instant, nous avons commencé par le parrainage projet. Et du coup, on fera du coup, par la suite parrainer ces enfants-là. Il y en a une quinzaine qui commenceront, enfin pas tout de suite, mais qui pourront du coup être parrainés. Donc si toutefois, ce ne sera pas tout de suite, mais je ne sais pas, peut-être vers la fin de l'année, vous souhaitez parrainer un enfant d'Ouganda, n'hésitez pas à nous écrire. Et si vous souhaitez soutenir cette structure-là, notamment par rapport au projet, aux différents projets qui annoncent ces structures et les autres aussi, auxquels on n'en a pas forcément parlé, mais auxquels vous allez avoir pas mal d'informations un peu plus tard, bah, n'hésitez pas. Surtout, vous avez notre site internet www.pinquotidien.org. Amen. Mais vraiment, je bénis Dieu pour le travail qui se fait. Et moi, ça me, enfin, le fait en fait qu'on parle de ces structures, qu'on parle des projets que ces structures ont pour bâtir la vie de ces enfants, pour moi, hein, vraiment, ça fait écho au passage dont on a parlé tout à l'heure. Exactement, et qu'on a partagé. Ouais. Et en fait, voilà, il y en a. En fait, on n'est pas tous Néhémie. On n'a pas tous reçu la vision de mettre en place une structure et on n'a pas tous la capacité Dieu, on est un corps et Dieu donne des capacités à certains qui et pas à d'autres. Mon cœur n'a pas la même capacité que mon index et ne sert absolument pas à la même chose, et pour autant j'ai besoin des deux pour faire tout ce que j'ai à faire au quotidien et pour vivre normalement et donc le voir en fait que certains reçoivent une vision, quand cette vision vient de Dieu et quand on voit en fait le fruit en fait qui est porté par la vie de ces enfants, faut en fait comprendre que Dieu nous attend là en fait, Dieu nous attend dans la vie de ses enfants, Dieu nous attend dans le fait de prendre soin de notre prochain. Je pense que vous en entendez souvent parler, surtout même un peu encore avant la marche de qui est mon prochain, de cette notion là en fait, de cette notion de soutenir son prochain, de comprendre qui est son prochain et de pouvoir le soutenir. Eh bien, comprenons en fait dans le corps de Christ que nous sommes tous complémentaires et que quand certains ont une vision et que l'on reçoit que cette vision vient de Dieu, on doit être là pour la soutenir, et quand bien sûr le Seigneur nous en donne les moyens financiers, mais dans la prière, dans le fait de le porter, de partager aussi les informations concernant cela, pour que l'œuvre de Dieu se fasse et que Jésus soit glorifié et que ses vies soient formé, bâti et que ses enfants aient un autre avenir. Donc vraiment par rapport au fait que ces enfants reçoivent donc participer à leurs examens. Enfin, je me mets à leur place quoi. Je révise toute l'année, je travaille toute l'année. Et on me dit non, tu vas pas pouvoir passer l'examen parce qu'on n'a pas d'argent. C'est dommage quoi, c'est vraiment dommage. Je pense sincèrement que et les responsables et les enfants de cette structure par exemple s'investissent pour pouvoir permettre à ces enfants de pouvoir réussir et le fait d'arriver donc à l'échéance de la chose et de se dire non, je peux pas y aller parce qu'il n'y a pas les moyens de m'inscrire à l'examen,
vraiment, je prie que Dieu fasse grâce, ouvre les portes et nous permette ben, de pouvoir soutenir ces enfants-là pour leur permettre de pouvoir passer leurs examens et compter et qu'on ait de belles nouvelles quoi, pour leur avenir. Et donc la vidéo que vous voyez actuellement, c'est la chorale, justement. Pour le son, ok. Alors le chant qui chante, c'est « Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi ». Et en anglais, c'est magnifique. Surtout chanté par ces enfants-là, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc ça, c'est la chorale de la structure de l'orphelinat qui se situe en Ouganda. Waouh! Ah, Jésus, vraiment. Il chante avec le cœur. C'est ce que j'allais dire. Tu sais. En fait, c'est pas. Excusez-moi, mais c'est vrai que moi, qui faisais partie des systèmes avant, on en a vu des chorales. Et on chante parce que voilà, les paroles sont jolies, ou parce qu'il faut chanter, ou parce qu'on a une belle voix qui s'accorde, etc. Mais quand on voit ça, on voit vraiment c'est quoi vraiment l'adoration à Dieu en fait, c'est pas simplement juste chanter, c'est vraiment avec le cœur en fait quoi, c'est vraiment vivre les paroles, c'est je vois ça me touche énormément. Amen. Bah t'es pas la seule. C'est Jésus. Donc pendant qu'on parlait de l'Ouganda, il y avait le site internet qui était également mis, que vous avez pu voir, vous pouvez aller justement le visiter si vous voulez connaître plus d'informations concernant cette orphelinat et cette œuvre. Amen. La deuxième structure entrante. Oui, la deuxième structure entrante. Donc, se situe en Asie. Tout à fait. Et d'ailleurs, les deux prochaines structures dont on va parler se situent toutes les deux en Asie et dans le même pays, aux Philippines. C'est ça. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, enfin, qui ne savent pas trop où c'est, les Philippines, c'est un pays qui se situe en Asie du Sud-Est et qui est composé de plein d'îles, en fait. Et la capitale de ce pays s'appelle Manille. Et c'est un pays qui est appelé, en tout cas dans les prochaines années, à faire partie des prochaines puissances économiques. Néanmoins, cela ne change pas, malheureusement, le fait que cette progression économique, ce développement économique ne se fasse pas à la faveur de tous les habitants des Philippines. Et les Philippines connaissent une très grande pauvreté aussi. Autant, en fait, il y a une classe qui monte et qui a beaucoup d'argent, autant une grosse partie de la population vit dans une extrême pauvreté, à tel point que pour certains, ils vivent directement dans des décharges à ciel ouvert, ils vivent dans des bidonvilles qui sont de réelles décharges. En fait, c'est là où on vient jeter les déchets et eux, ils vivent dedans. Et pour certains, pour survivre, bien, leur activité de la journée, c'est de chercher dans la décharge des choses qu'ils pourraient récupérer pour ensuite les vendre. J'ai eu l'occasion de voir une vidéo, c'est terrible de personnes qui récupèrent des déchets alimentaires. Et qui va donc essayer sur des morceaux de poulet avec les os, la petite chair qui va rester, essayer de récupérer la chair en question pour la recuisiner et la revendre. En fait, la nettoyer parce que c'était en plein. Voilà, c'est comme nos poubelles avec les déchets, les restes de poulet. Donc ils vont juste les nettoyer. Mm. Du coup, après les recuisiner avec juste acheter de l'ail, quelques tomates et du coup essayer de faire une sauce et de remanger ce qui a du coup été jeté, quoi. Donc, c'est pour vous montrer en fait le niveau de pauvreté dans lequel certains se trouvent. Et il faut savoir aussi que les Philippines, mais c'est pas le seul pays d'Asie du Sud-Est, a la malheureuse réputation de faire partie des pays en fait où la prostitution infantile est très développée. Et c'est vraiment un fléau. C'est vraiment, vraiment un fléau. Des hommes, des femmes hein, se prostituent, voilà, mais y compris des enfants. Autant des enfants qui seront dans la rue comme ça et qui vont entre guillemets, aguicher les clients pour essayer d'avoir un client et d'avoir de l'argent pour manger, pour nourrir leur famille. Et autant, il y en a qui passent aussi, qui sont en fait pris dans les mains de trafiquants et dans des réseaux de prostitution et de proxénètes. Et c'est terrible, quoi. Enfin,
ils vivent des choses vraiment, vraiment terribles dues à la pauvreté. Et donc voilà, donc c'est dans ce contexte-là que le pain quotidien donc, intervient aujourd'hui dans deux structures qui, elles, travaillent sur place depuis déjà plusieurs années. Et pour vous donner en fait, vraiment une idée de ce dans quoi ces enfants-là vivent. Et la photo que vous voyez actuellement à l'image, c'est la structure du coup, que nous soutenons à Tondo. Donc, c'est un quartier dans la capitale donc, qui est Manille. Et donc le nom de sa structure s'appelle Kalayan Community Ministries. Et du coup, elle regroupe, enfin, c'est comme une assemblée au milieu de ce quartier qui est en plein milieu de bidonville. Et voilà, malgré leur l'endroit dans lequel ils vivent, on voit la joie de ces enfants qui, par la grâce, connaissent notre Seigneur. C'est des images assez dures à voir, mais qu'il faut vraiment qu'on réalise. C'est vrai que pour certains, ça peut même choquer de voir des images, celles-ci encore sont pas très choquantes, mais de voir ces conditions de vie, mais ce sont des réalités. Et nous voulons vraiment être une voix pour ceux que nous n'entendons pas forcément. Et voilà, nous avons vraiment eu à cœur ce pays, qui est les Philippines. Et donc nous avons commencé ce partenariat-là avec Kalayan au mois d'avril. Donc voilà, ça c'est les enfants. Il y a même chorale, je crois, aussi. Enfin, il y a souvent des événements avec les enfants. C'est vraiment axé sur les enfants, sur l'éducation des enfants et notamment dans la parole de Dieu. Voilà. Et récemment, alors eux, le projet majeur, le besoin majeur auquel ils avaient besoin, c'était la cuisine. Alors en fait, ils avaient une cuisine où c'était les femmes justement du quartier qui préparaient, sauf que le plancher était complètement fissuré, cassé. Du coup, il y avait une invasion de rats. Il y avait une invasion de rats et c'était très difficile pour eux. Ça a duré comme ça assez longtemps. Au moment où on a pris contact avec eux, c'était le cas. Donc il y avait vraiment cette invasion, c'était invivable. Juste en dessous, en plus, il y a un plancher qu'ils enlèvent, il y a une piscine. Et c'est là où ils font les baptêmes aussi, justement. Donc, ils sont bien équipés. Récemment, il y a des frères, je ne sais plus d'où, de quel pays ils sont venus. Ils ont vu l'information sur leurs réseaux sociaux. Donc, ils sont également sur Facebook, pardon, si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Et qui, justement, s'y connaît au niveau de la plomberie, et au niveau du ciment, etc. Et qui a pu refaire complètement le sol de cette cuisine. Wow, mais ça a été vraiment très rapidement. Entre le temps où on a eu l'information et le temps où le frère est venu, qui a vu l'information, qui est venu faire les travaux, il s'est passé peut-être même pas un mois, où on nous dit c'est bon, ça a été réglé, etc. Donc c'était fait très rapidement. On bénit vraiment le Seigneur pour l'investissement de chacun, en fait, que chacun saisisse l'œuvre à laquelle le Seigneur veut qu'on contribue. Quoi. Amen. Voilà. Donc ça, c'est leur site. Enfin, c'est pas vraiment un site, c'est comme un blog donc, qui décrit un petit peu l'œuvre qui se fait là-bas. Pourquoi ? Alors, Kalayan, en fait, ça signifie liberté en français. Enfin, oui, c'est du philippin. Philippin ? Oui, pardon, c'est du philippin. Et ça signifie liberté en français. Donc voilà, et c'est pour la liberté de ces enfants-là. Donc là, on voit la photo du couple avec leur bébé. Donc c'est un couple mixte. Et c'est eux justement qui s'occupent de cette structure-là. Et c'est cette sœur-là avec laquelle on est en contact pour échanger en fonction de la structure, des différents besoins et du soutien qu'on peut leur apporter, qui nous a également informé du souci qu'ils ont rencontré par rapport à la cuisine, mais qui a aujourd'hui été réglé. Mais de ce fait, ils sont toujours vraiment dans le besoin, mais malgré ça, c'est ce qui vraiment m'épate, c'est qu'ils adorent le Seigneur. Amen. Ouais, c'est vraiment magnifique. Donc regardez, il y a beaucoup de vidéos, de photos sur leur page Facebook. Ils communiquent beaucoup. Et justement, parmi les différents projets que nous voulons mettre en place avec le pain quotidien, ce serait également de créer des sites internet pour les différentes structures que nous avons pu créer, aider à la création ou qui existaient déjà, mais qui du coup ne communiquent pas forcément sur les réseaux. Ce serait effectivement qu'ils puissent avoir un site où eux-mêmes du coup pourront percevoir des dons par des personnes qui peuvent nous suivre ou qui tombent sur leur page internet.
Voilà. Et combien d'enfants sont accueillis dans la structure ? C'est une bonne question. Je me suis pas arrêtée sur le nombre. Je sais qu'ils sont beaucoup. Franchement, là, je... En fait, il y a vu que là, c'est aussi une assemblée. Ils sont pas au complet là. Hein. Ouais, d'accord. Oui. Donc, ils sont vraiment. En fait, c'est vraiment tout le. Enfin, c'est tout un quartier. C'est tout un quartier. Ouais, d'accord. C'est ça. Je sais pas. Il y a peut-être une cinquantaine d'enfants okay. qui sont vraiment très réguliers, qui sont actifs, notamment au niveau des œuvres pour le senior, en fait, dans le service, quoi, dans les chants, ils font même des ateliers théâtre, danse, etc. Vraiment tout pour la gloire de Jésus. Il me semble avoir donné une photo où on voit des petites chanter avec des petites couronnes sur la tête et écrit en gros Jésus derrière. En rouge, voilà, celle-là. Ah oui, magnifique. Effectivement. Merci. Ouais, et magnifique. Bon, voilà, ça c'était lors d'un spectacle pour la gloire de Dieu toujours. Et donc là, c'est au niveau de l'assemblée, voilà. Il y a écrit en gros Jésus derrière, donc c'est seulement Jésus qui est élevé, quoi. Et donc c'est cette structure qui vit, qui est située au sein de la capitale, Mani. C'est ça, Mani à Tondo, donc en plein dans les bidonvilles. D'accord. Donc là, c'était Kalayan Community Ministries, pardon. Et donc c'est la première structure donc avec laquelle nous travaillons. Et il y en a une deuxième. C'est ça, toujours aux Philippines. Mm-hmm. Et ça, elle s'appelle Concordia Children Ministries. Et celle-ci, alors justement, même dans celle-ci, il y a un frère. Donc c'est un même frère qui est venu, enfin c'est ce même frère qui est parti en Colombie, mm-hmm. qui est parti également aux Philippines. Il est missionnaire précurseur pour le pain quotidien. Exactement. Et on va bien parler. Merci ensemble. Seigneur pour Amen. Mon frère. Amen, on le salue ce soir d'ailleurs. Et du coup, qui nous a parlé de cette structure-là. En fait, il a vu deux fois. Il était déjà parti l'année dernière. Il a tellement été touché qu'il y est retourné encore cette année. Et c'est un frère, en fait, qui s'occupe de cette structure-là, qui est vraiment consacré au Seigneur et qui veut simplement aider tous ses enfants. Il est vraiment bien ordonné. Je crois que c'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi carré administrativement parlant. C'est impressionnant. Il a même reçu, il était fier de nous dire qu'il a reçu le diplôme de la meilleure association philippienne, qui, au niveau de l'organisation des enfin, tout. Je crois même qu'elle est tout en bas du site internet. Donc là, vous voyez le site internet. Donc Concordia Children Service. Et, pardon, j'ai dit ministry, je crois, juste avant, donc c'est un service à la fin. Vous avez également la case dons si vous souhaitez les soutenir. Et il me semble tout en bas qu'il y a... donc voilà, là on voit également les projets, la mission, la vision de cette œuvre, etc. Mm-hmm. Donc c'est bien un orphelinat qui accueille des enfants donc, qui sont orphelins. Donc il y a deux catégories. Il y a des enfants qui sont orphelins donc de la naissance, mais jusqu'à 3 ans maximum. Mm-hmm. Alors, non, qualité service. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils ont reçu. C'est ce qu'il a reçu, justement, suite à sa bonne gérance. Amen. Et du coup, voilà, il y a deux catégories d'enfants. Donc il est reconnu par l'État philippin. Là. Exactement. Très bien. Si, oui, elle est reconnue, oui. Parce que l'autre, ce n'est pas un orphelinat, c'est juste c'est une assemblée, en fait, en plein. D'accord. C'est comme un centre d'accueil, ouais. OK. Voilà, donc il y a deux catégories d'enfants qui sont parrainés, du coup, de 0 à 3 ans, qui sont parrainés, pardon, qui sont orphelins. Et par contre, la continuité, le souhait qu'il a pour ces enfants-là, c'est qu'ils soient adoptés. Mm-hmm. Voilà, donc pour ces enfants de 0 à 3 ans. Il y en avait un parmi ces enfants qui, lui, avait 5 ans. Et c'était le seul, en fait, qui n'avait pas encore été adopté. Donc, je sais que le frère avait été très touché par cette... En gros, c'est qu'il considérait comme vieux. Bah ouais, c'était assez dur. Ouais, je pense que c'est assez dur pour lui parce qu'il voit, les autres qui sont plus petits. Et lui, il attend simplement d'être adopté. Donc, dans cette structure-là, ils font adopter des enfants. À côté de ça, il y a également des enfants de rue et des enfants qui sont abandonnés ou qui vivent dans des situations précaires. Qui ont leurs parents mais qui vivent des grandes difficultés, qui sont également soutenus par cette œuvre-là, dont le frère met en place différents projets avec eux, des temps de partage, etc. Et les soutient également au niveau de la scolarité, la scolarité, la nourriture, la santé, etc. Et nous, là, au sein du pain quotidien, on va intervenir également pour le parrainage de ces enfants par la suite. Ok, voilà. Très bien. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter comme,
comme projet, donc par rapport au nouveau partenariat qu'on a mis en place. Donc, ben voilà. D'autre part, on vous a parlé tout à l'heure des projets qu'on avait pu faire au début de l'année, mais en soi, Le Pain Quotidien va organiser donc une émission. Enfin, il y aura une émission en fait qui sera retranscrite en direct sur TV de Vie le 30 juin. Donc, retenez bien cette date pour vous qui êtes intéressés par rapport au parrainage et au fait d'en savoir encore plus. Vous pouvez nous suivre en direct le 30 juin sur TV de Vie. Donc, l'horaire sera précisé pour vous permettre bien de pouvoir visionner en direct cet événement. Et en fait, on va donc pouvoir revenir sur ce qu'on a pu faire avec les autres structures. Comme on vous a dit aujourd'hui, avec ces structures-là qu'on vous a présentées, on est à 13 structures avec lesquelles nous travaillons. Donc, il y en a d'autres dont on ne vous a pas forcément parlé ce soir, mais qui sont aussi intéressantes à voir par rapport à ce par rapport à ce que le Seigneur a pu y faire. Et d'autre part, bien, vous aurez droit à des surprises, comme le fait de pouvoir voir en direct des communications qu'on pourra avoir avec des structures sur place. Alors, essaye de garder la surprise quand même. Non, mais j'explique un peu pour donner un peu l'envie aux gens de... Hein, faut que vous soyez présent derrière votre écran, parce que bon, ça, c'est l'une des surprises. Oui, voilà, il y en aura d'autres. Voilà. Ouais. Donc vous allez pouvoir voir en direct un peu les enfants qu'on essaye, par la grâce de Dieu, de soutenir et d'encadrer via Le Pain Quotidien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous connecter ce jour-là. Encore une fois, ce sera annoncé à l'avance. Vous aurez les informations concernant les horaires et puis vous pourrez donc voir en direct le travail du Pain Quotidien et son équipe et comment Dieu nous utilise et qu'est-ce qu'il fait avec nous. Et voilà. Si vous voulez, si vous êtes d'ici là, bien sûr, intéressé par ce que nous faisons, bien, vous pouvez aller, comme l'a dit tout à l'heure Priscilla, sur notre site internet www.painquotidien.org. Et vous pouvez aussi, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez communiquer par mail avec nous au pain.quotidien.association@gmail.com. Donc voilà, et on sera heureux de vous répondre et de pouvoir voir avec vous comment vous pouvez participer avec nous à l'œuvre que le Seigneur fait. En tout cas, merci pour votre pour le visionnage de cette émission, pour votre participation en nous regardant ce soir. On bénit vraiment le Seigneur pour cette occasion. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été sur le plateau de TV de Vie. C'est vraiment une joie. Merci beaucoup à notre frère qui nous a aidés ce soir pour mettre en place cette émission. Et à très bientôt. Avant de partir, j'ai juste une petite info aussi. Avant donc notre émission en direct du 30 juin, nous aurons une autre émission qui sera diffusée donc sur TV de Vie avec l'un des responsables d'une structure que nous soutenons depuis plusieurs années maintenant à Madagascar. Donc notre frère Tantelli sera présent en France. Il arrive cette semaine. Donc bien sûr, il arrive. Donc on va se l'accaparer. On va profiter de sa présence pour vous donner des informations sur les enfants à Madagascar, où le Seigneur travaille aussi beaucoup et fait une belle œuvre. Ouais. Donc qui n'est pas facile. On a souvent eu l'occasion de pouvoir bien fléchir nos genoux par rapport aux enfants là-bas, mais Dieu fait une très belle œuvre et on n'a jamais dit que l'œuvre de Dieu serait simple. Si c'était le cas, on le saurait, hein, ça se saurait. Mais l'œuvre de Dieu est toujours combattue et c'est normal. Mais nous tenons ferme et voilà. Et notre frère sera là pour pouvoir parler des belles choses que le Seigneur fait, des difficultés aussi parfois que sûrement qu'il rencontre. Et en tout cas, ce sera pour vous l'occasion d'avoir un compte rendu, encore une fois, du travail qui se fait et de comment est-ce que aussi vos dons sont employés pour travailler sur place dans nos structures. Donc voilà, cette structure s'appelle la Maison de la Grâce. Et voilà. Donc, très prochainement sur TV de Vie, vous aurez l'occasion de voir une émission avec notre frère Tantelli. Voilà. Oui, je voulais juste rajouter du coup par rapport à la venue de notre frère. En fait, il y aura également de l'annonce de certains projets qui ont été mis en place à Madagascar. Là, on vous a parlé de deux projets au Ghana et en Colombie.
qui ont vu le jour. Il y a également d'autres projets dans d'autres structures qui ont vu le jour. On vous les garde pour un petit peu plus tard. Et donc, ce sera justement le sujet de la prochaine émission avec le frère Tantelli de Madagascar qui sera là. Et voilà, je crois que c'est je crois qu'on a tout dit. Ouais, c'est ça. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité à TV de Vie, au Seigneur d'abord et à TV de Vie. Et voilà, et on espère vous retrouver bientôt sur votre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Au revoir.